Dans les rues de Nagasaki, des centaines de manifestants ont protesté contre la réforme de l'armée japonaise. Le Premier ministre Shinzo Abe veut renforcer le rôle des forces d'autodéfense sur la scène internationale, contrairement à la constitution du pays, inchangée depuis 70 ans. Tout le monde reconnaît que le choix du Japon pour le pacifisme depuis l'après-guerre était juste. C'est avec cet état d'esprit que je suis venu à Nagasaki aujourd'hui pour me souvenir du bombardement atomique. S'il modifie la Constitution, et notamment le 9e article, alors notre pays, le Japon, sera en mesure de mener des guerres d'agression et de tuer des gens innocents. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. C'est dans ce contexte que la ville de Nagasaki a commémoré le 70e anniversaire du bombardement atomique qui a détruit 80% de la ville et tué 74 000 personnes le 9 août 1945.